Les meilleurs aliments pour faire baisser le taux de cholestérol. Le corps a besoin de cholestérol dans le cadre de nombreux processus biochimiques. D'un autre côté, son augmentation excessive peut être nocive pour la santé et provoquer certains troubles et maladies. Un taux de cholestérol élevé est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires à l'instar de l'obésité, du diabète, d'une tension artérielle élevée ou d'un style de vie sédentaire. Certaines personnes peuvent aussi hériter d'un taux de cholestérol élevé, un trouble appelé hypercholestérolémie familiale qui nécessite un traitement médical. Pour vous aider à faire baisser votre taux de cholestérol, voici les aliments qui ont prouvé leur efficacité dans ce domaine. Les pommes. Les pommes peuvent baisser le taux de cholestérol jusqu'à 40 si elles sont consommées régulièrement, selon les recherches les plus récentes. Le jus de pomme frais est un traitement pratique et naturel. De plus, les pommes sont bénéfiques à votre santé d'une manière générale. L'ail. L'ail est un puissant allié pour votre santé. Outre le fait d'être un antibiotique naturel, il peut faire décroître votre taux de cholestérol jusqu'à 11. Les haricots secs. Selon des recherches récentes, les haricots secs peuvent faire baisser le taux de cholestérol de 5 à 15 en moins d'un mois s'ils sont consommés régulièrement. Les céréales. Les céréales sont riches en fibres, lesquelles sont excellentes pour réduire le taux de mauvais cholestérol. Le céleri. Le céleri réduit le taux de mauvais cholestérol et confère de l'élasticité aux artères, ce qui prévient l'athérosclérose, les crises cardiaques et autres maladies cardiovasculaires. Selon des chercheurs de l'Université de Chicago, deux tiges de céleri par jour seulement font baisser de 7 points le taux de cholestérol en un mois. De plus, le céleri augmente la sécrétion de la bile, laquelle élimine le cholestérol du corps.